Voilà devant vous Mirage Dugoutier, un fils d'arnaqueur, donc petit-fils de Fakir du Vivier, une mère par Valmont. Alors c'est un cheval précoce, hein, puisqu'il a gagné en débutant à 2 ans à Amiens. Et il a récidivé un peu plus tard en se classant. Il a récidivé, je voulais dire, une belle performance en se classant second ensuite à Vincennes, justement 3 semaines après ses débuts. À cette époque-là, il était sous l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Il a changé de maison pour atterrir dans les box de Karim Havas. Et c'est à ce moment-là qu'il a toujours été drivé en course par Yves Dreux. Là, on a vu une de ses très belles performances. Alors. Avant, à 3 ans, il s'est classé 3e du prix Pierre Patzen, c'était d'un groupe 2. Il était 3e, je vous disais, donc il était battu par Memphis de Rip ce jour-là et Montbelway. Il a été 4e du critérium des 3 ans, toujours devancé par Memphis de Rip, Millennium Wood cette fois, et Mahana, donc quand même une très belle référence. Et à 6 ans, donc c'était la course que nous venons de voir, c'était la finale, la clôture du GNT, du Grand National de Trot, où là il s'imposait de très belle manière. Alors cette même année, un peu donc avant la finale du GNT au mois de décembre, il gagnait à Enghien également, une très belle course, le prix de la haie, où là il devançait Nuage de lait, Judo Car Royal, Niopette d'Ombré, Light Up de Vonas, Chrysospeed. Alors ce n'est pas des moindres non plus. Il totalise 447 000 euros de gains. Il fait la monte au haras de Cordemais en Loire-Atlantique pour le prix de 1 500 euros.